va en profiter pour faire toute une série de vidéos là sur l'islam, comme toujours, qui est le principal problème de l'Occident. Après, je dirais quand même, après sa décadence, hein. Parce que c'est pas les musulmans qui nous rendent décadents, hein. Faut pas oublier ça, hein. Ça sert à rien de s'attaquer à l'islam si on s'attaque pas au gauchisme pur avant toute chose, hein. C'est bien évidemment la priorité, le plus possible détruire le gauchisme qui gangrène notre société. Donc on va enchaîner sur plusieurs news qui va montrer ce qu'est l'islam dans le monde. Donc Valeurs Occidentales qui partage cette petite vidéo assez stylée. Donc comme on peut voir, c'est ça, c'est des Iraniennes qui se battent pour que le voile disparaisse en fait chez elles. Et donc elles ont fait cette belle petite vidéo. Elles ont l'air très belles et très libres, quoi. Trop classe. Classe. Attention, elles bougent leurs fesses, au secours! Oh putain, faut les couper en deux! Faut les lapider! Et donc, ces jeunes femmes, en fait, les autorités iraniennes sont à la recherche de ces filles, ces jeunes femmes, je pense, parce qu'elles sont quand même plus âgées, c'est pas trop des filles, pour les arrêter. Le crime, avoir dansé lors de la Journée internationale de la femme. Aux yeux de la République islamique, les filles sont des criminelles. Pour avoir montré leurs cheveux, leur bonheur et avoir dansé. Leur bonheur. Voilà ce qu'est l'islam. Et donc aussi une autre vidéo qui est sortie qui est absolument incroyable, qui a été partagée. Alors par contre, je ne sais pas du tout quand est-ce que cette vidéo a été faite. Et donc on va lire ce que dit cette femme à une radio, une émission de télé, je ne sais pas où. Mais bon, c'est assez intéressant. C'est vrai que je ne sais pas où c'est. Alors, je suis 200% en faveur de frapper les épouses. Si une femme ne peut pas supporter son mari quand il est énervé ou fatigué, si elle ne peut pas supporter son mari quand la situation financière est mauvaise, si un homme rentre à la maison sans argent, sans même de quoi acheter un paquet de cigarettes ou du pain, même s'il n'a rien, sa femme doit le supporter. S'il est mon mari, ce n'est pas tout le temps, ma chérie, mon amour. Et ensuite, me plaindre. Oula. Attendez, j'ai raté le fil là. S'il est mon mari, ce n'est pas tout le problème. Et ensuite, attendez, je l'ai mal lu là. S'il est mon mari, ce n'est pas tout le temps, ma chérie, mon amour. Et ensuite, me plaindre ou faire des problèmes quand il me gifle. C'est ouf. Non, tu dois le supporter. Tu dois supporter qu'il te... Si ton mari te gifle, ne cours pas voir la police, ta famille ou tes voisins. Règle les problèmes dans ta maison. Ne cours pas partout aux institutions, aux associations ou quelque chose comme ça. C'est ouf, hein. Il faut penser aux enfants, des enfants qui pourraient être perdus dans les rues. Quel rapport? Mais quel rapport? Et pourquoi? Car il t'a giflé? J'aurais bien aimé avoir l'avis de la femme qui est en face là, parce qu'apparemment il y a une femme non voilée juste en face. Et pourquoi? Parce qu'il t'a giflé alors? Nous devrions examiner pourquoi il t'a giflé d'abord. Peut-être que tu l'as provoqué et il t'a giflé? Et donc, ah, elle répond, ah, trop cool, la femme est un être humain, pas un animal. Que tu te sois marié dans une église, devant un cheikh ou à la mairie, il n'y a pas de document qui dit qu'il peut te battre. Quand je me marie avec... Putain, c'est des vrais débats, c'est stylé, hein. En fait, c'est cool, parce que là-bas, ils ont des vrais débats, quoi. Je sais pas où c'est, hein. LBC International. Quand je me marie avec quelqu'un, je veux vivre dans la paix et la sécurité. Exactement. Les vrais hommes protègent leurs femmes, ils les battent pas, quoi. Et ne pas ouvrir la porte à un homme en colère qui va me boxer. Ou me frapper s'il n'aime pas que je cuisine. Ce que vous dites n'a pas de sens. Et pourquoi vous généralisez? Une femme qui accepte que son mari la frappe est un animal. Exactement. Putain, c'est bien dit. Hein. En fait, il n'y a que celles qui vivent dans ces vraies situations qui peuvent vraiment transmettre les vraies informations sur ça. Ce n'est pas une vie, ce n'est pas une... Ça, la vie conjugale, c'est un enclos pour le bétail. Et là, Héro répond, la femme voilée, parfois frappée et pour attirer l'attention, par amour. Par amour pour qu'elle ne fasse pas quelque chose de pire. Quelqu'un peut frapper une personne qu'il aime? Oui. Et si ton mari menace de te frapper? Et si ton mari... Je lui casse le bras et je lui attache à son cou, car je n'accepterai pas d'être frappée. Ah, c'est ce qu'elle répond, c'est... le présentateur lui demande qu'est-ce que tu ferais si ton mari essaie de te frapper. Je lui casse le bras et je lui attache son cou car je n'accepterai pas
d'être frappée. Bravo madame, hein, en tout cas. La dame d'en face, hein, parce que là, cette horreur là, putain, mais c'est fou. C'est vraiment. C'est un peu comme les gauchistes en fait en Europe qui sont contents de perdre leur pays. C'est comme une, c'est une sorte de syndrome de Stockholm par les instances européennes qui écrasent complètement en fait les nations et qui kiffent toujours plus en fait que l'Europe en fait nous détruise. Parce que c'est pas que la France, hein, c'est l'Europe entière. Là, des femmes qui ont été voilées toute leur vie et frappées depuis l'enfance, c'est comme ça qu'on fait des esclaves en fait. C'est comme ça que après les gens intègrent ces choses-là et après acceptent. C'est vraiment, ça se trouve, elle est même pas, elle a même pas subi ça. Ça se trouve, elle le fait parce qu'elle est payée par des islamistes. C'est complètement dingue. Et donc, pour conclure sur la partie musulman de ouf, ça c'est un truc que moi j'ai toujours halluciné sur le coup de la. En fait, en France, donc on a plusieurs religions, la religion catholique, tout ça, chrétienne, tous les chrétiens. Bon, il n'y a pas trop de sévices au niveau des enfants quand ils sont petits, même pas du tout dans cette religion. Et après, quand j'ai appris qu'il y avait la religion juive et musulmane dans mon pays, quand j'étais plus jeune, j'ai pas très bien compris pourquoi, en fait, on autorisait encore la circoncision. Donc après, on m'a dit, bon, c'est des actes voilà, religieux, donc il faut laisser et tout. Mais moi, si j'étais religieux, si j'étais dans les instances présidentielles, j'en sais rien, de l'État, eh ben, j'interdirais en fait tout acte de sévice sur les enfants. Et donc, notamment la circoncision. Et donc là, en fait, cette fille, je pense que c'est une femme parce que c'est une apostat, hein, elle a dit, je suis un. Ah non, c'est un ex. Ah non, c'est un mec, d'accord. C'est comme Majid ou Kacha, quoi. Je suis un ex-musulman, un apostat. Ah, c'est un apostat, je croyais que c'était une femme, en fait. De l'islam, ex-muslim. Ma chaîne YouTube ici. Ah, bah j'irai voir, en fait. Vous pouvez aller le soutenir, c'est marrant parce qu'il a mis le soleil de One Piece, en fait, de Jinbei. Garçon en colère car il sort de la circoncision. Il ne comprend pas pourquoi on lui a fait ça. Son père et le docteur rigolent tandis qu'il lui présente ce qu'il reste de son prépuce. Et on nous mutile petit, nous marque petit pour nous marquer comme du bétail. Cela n'a pas de sens. Dieu aurait-il oublié quelque chose en nous concevant? Les religieux ont l'arrogance de corriger le travail de Dieu, s'il existe. Si les hommes ont évolué génétiquement avec un prépuce, c'est pour une raison. La raison religieuse officiel est que Dieu serait apparu en rêve à Abraham quand il avait 99 ans pour lui dire de couper son prépuce. La circoncision remonte aux polythéistes, je pense, égyptiens des disciples d'Akhénaton 2000 ans avant l'islam, dont les muses imitent bêtement. Quand on commence la vie avec un couteau sur la bite, ça peut que nous rendre agressifs et violents. Cette mutilation est d'autant plus grave qu'elle est faite sur l'être le plus innocent et vulnérable, un enfant. Je maudis ceux qui veulent nous couper la bite, je les exècre, je les vomis, qu'ils essaient de toucher à mon fils et je les oxy, je circoncis leur vie, 5 sur 5. Eh ben c'est trop stylé ce que tu dis, je suis complètement d'accord avec toi, cher soleil apostasie. Et donc là, le petit il est horrifié. Je ne reviendrai pas, je te déteste, c'est le petit qui dit ça. Il rigole. Saloperie quoi. Pareil hein, pour les juifs aussi, je trouve ça horrible. Hein. Félicitations pour ta circoncision. Je ne t'aime pas, pourquoi tu fais ça à mon pénis? T'as le petit. Ah, c'est plus tard en fait, parce que je crois que les petits en fait chez les juifs c'est vraiment tout petit, petit, petit. Quand ils sont bébés. Ou je sais pas, peut-être que c'est au même âge. J'en sais rien, de toute façon c'est pratique moyenâgeuse. Moi j'interdirais tout ça, putain. Ils se marrent les autres, hein. Putain, c'est un truc de fou. Donc voilà, allez soutenir Soleil Apostasie, c'est assez stylé. Et d'ailleurs, en fait, j'ai pas, là, j'aurais pu partager aussi, parce qu'il y en a un autre de, je crois que je l'ai pas mis. Un des autres qui est bien stylé à suivre, en fait, bon, n'hésitez pas à liker, à aimer et à faire monter ces informations, parce que c'est pour montrer en fait la barbarie de l'islam, comme toujours, et donc à combattre absolument. La barbarie de l'islamisme, même l'islam, parce que, comme le dit Boulen Sansal, pour eux, il n'y a pas de différence. Hein. Ceux qui le vivent vraiment dans les pays. Parce que nous, en fait, en Europe, on a vécu les attentats, mais pour l'instant, il y a une sorte de partition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui vivent avec les musulmans, donc ils subissent pas à 100%, ou alors ils s'enfuient des zones où c'est totalement islamisé. Ils ont cette chance de pouvoir fuir les zones. Mais ceux qui vivent dans les pays islamiques, ben, eux, ils subissent à fond. Hein, c'est notamment ce qui s'était passé en Algérie.
Et c'est le combat de Boulen Sensal contre l'islamisme, contre l'islam tout court. Hein. Enfin bon, n'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner à la page et à commenter en fait ces horreurs que je vous partage pour qu'on fasse tous ensemble face à la réalité.